Ce week-end, il est un peu tendu, je vais dire, parce que on entre dans un moment crucial, parce que c'est l'adoption de tout le travail qu'on a fait jusqu'à là. Le développement des transports en commun, j'y suis attaché en tant que citoyen d'Outre-mer, parce que je pense que c'est un élément important de nos régions. Ça amorcera derrière tout un processus qui fera que ce sera beaucoup plus juste socialement et ce sera beaucoup plus facile d'y vivre. Je suis plutôt fier de ce qu'on a accompli. J'avais des doutes au début. Je me disais que le problème était peut-être un peu trop gros pour que ce soit pris par des citoyens tirés au sort. C'est un beau résultat. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a accompli. On a une chance, c'est qu'on soit des citoyens tirés au sort dans toutes les régions de partout en France. Donc déjà, on peut, nous, être des relais de nos mesures, des 150 plutôt, de tout ce travail-là sur nos territoires. On a eu des moments d'opposition, de clivage, parce qu'on n'était pas d'accord, mais à chaque fois, on trouvait un chemin au milieu, un consensus. Et donc là, sur le crime d'écocide, il a été adopté à une très forte majorité et on voit qu'on a pu dépasser nos différences pour tous se réunir pour une même cause. C'est la planète et son avenir. Donc ça, je trouve que c'était un moment aussi très fort en émotion.